Visiblement dans une autre ferme. Alors, t'es plus proche. Dans le restant d'une partie de la ferme. Ou d'un petit fort. Sont en place. Thor, le pêcheur. Tu as de quoi tenir sans lune. Tu auras une vie longue et heureuse. Mais père, tu n'es pas trop souffrant pour rester. Oh, mais je le suis. Les tisseuses m'ont envoyé de nombreux présages. Je n'attends plus qu'une mort honorable pour que la hache de la famille te revienne. Et je dois faire quoi, je dois tuer ? L'air est empli de l'odeur des entrailles de poissons. Tes prises ont l'air abondantes. Les filets débordent d'écailles d'argent. La chance te sourit. Brave guerrier, tu sembles avoir l'esprit d'un tringre. Moi aussi, je suis un tringre. En tenue de pêcheur ? Est-ce pour te cacher ou pour protéger les tiens ? Disons que j'ai exercé de nombreux métiers. Ragnar Lodbrok lui-même a été paysan. Il a souvent envié mon choix. Tu as fait partie de la grande armée de Ragnar ? Oui, mais c'est en Angleterre que j'ai trouvé un sol fertile, où tout pousse, même en crachant dessus. Et des eaux grouillant de poissons. J'ai rencontré une Saxonne, Ethel Swig, et nous avons mené une bonne vie, à vendre les meilleurs coquillages de l'Est Anglie. Mais... je dois maintenant montrer à mon fils la voie du Drengre. Comment on meurt avec honneur. Je respecte ton souhait d'une mort honorable. Je veux que mon fils regarde. Il doit entendre mes dernières paroles. Il ne doit pas me voir mourir sur une couche, toussant comme un corbeau. Je m'en doutais. Ok. J'accepte de te combattre. Nous allons montrer à ton fils comment finissent les Drengir. Tu entends ça, mon garçon ? Aujourd'hui, tu verras la couleur du sang qui t'a fait naître. La couleur du courage et de l'honneur. N'importe quelle arme fera l'affaire. On va se battre au milieu de l'eau, okay. Ah, tu vois, mon fils, nous sommes deux lances. Des Drengir. Niveau 160, bien sûr. C'est pas du tout... non. Oh bah putain. Ok. J'ai pas prévu ça. Ah oui, l'ardeur du combat. Je la sens. C'est tout ce qu'on va faire. Le combo spécial, mais à part ça... merde, j'ai même pas le temps, il fait des sacrés à l'oeuvre. Hop là. Quoi ? Non. Est-ce qu'il va tirer en même temps ? C'est chaud. Non, c'est chaud. C'est vraiment chaud, c'est une esquive. Et je peux pas esquiver pendant que je suis en train de me tirer loin des barques. Oh, genre la flèche elle est passée où là? Zéro flèche, je sais pas ce que je pensais. Je fais pas jouer H2 là et regarde ce que tu fais. Bien. Défends qu'il a. Non, 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 recule, recule, recule. Pourquoi je peux pas reculer? Fils, ne tourne pas la tête! Ma fin est proche! Ah mais quand il se lance son truc... Ah! Je peux plus esquiver, je peux plus esquiver. Recharge, 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 recharge. Fais rien pendant ce temps-là.
Parfait. On lance des colos aussi. Voilà, bah, je pensais pas y arriver. J'ai atteint la porte de la gloire. Ne m'oublie pas, mon fils, mon cher garçon. Désormais, tu sais. Père, je comprends. Je vois la gloire dont tu parlais. Va au Valhalla et rejoins Ragnar dans la guerre éternelle. Ton père était un vrai guerrier. Un dringue jusqu'au bout. Un jour, je lui ferai honneur, en devenant moi aussi un dringue. Ok. Ça reste à droite. Du coup, partir sur le prochain spot. Compétence de santé, renforcement de flèche. Je vais choper deux objets d'amélioration. Que j'en profite pour up deux pièces de mon armure. Prendre le TP avant. Morse week. Bah oui, je suis con, c'est ici que je dois rallier une nouvelle personne à ma cause. Un petit épée pour voir mon forgeron préféré. Là-bas. J'aimerais voir ce que tu proposes. Tout ce que je fabrique est de qualité, mais là, on atteint les sommets. Ah, j'en ai trois, donc je peux améliorer trois pièces. La cape. Ceci te sera très utile. J'ai un peu plus joli. Qu'est-ce qu'il me faut au-dessus ?
d'une barre d'or, j'imagine. Brassard. Ah, ça c'est bien. Et les bottes. Oui, il me manque encore. Ah, il en faut 3 pour l'arc. Aïe. Donc il me manque encore 4. Déclasser un équipement. Je peux facilement te trouver ça. Ok. Modifier l'apparence. C'est tout pour l'instant? Oui. Je dois me mettre en route. Au revoir. Puisse-t-on chanter? Et d'ailleurs. Je peux pas l'améliorer. Si, je peux l'améliorer. Il n'y a pas une petite flèche normalement quand je peux m'améliorer. Vous n'avez pas assez de. Mythique. Rendez-vous à la forge de Ganin avec. Non, j'ai déjà. Ok, ici c'est tous. Ces fameux. Je ne sais trop quoi. Titane. Ok, dès que je vais le ramasser à chaque fois, je peux même. Ça vaut pour lui aussi. Mais... Ok. Toutes les runes que j'ai ramassées. Mais c'est que des runes imparfaites, donc. Mineures. Pareil. C'est pas rien. Bon, du coup. On va retourner. Cette quête principale. Je vais arrêter cette quête tout autour et je vais lancer la quête principale. Je pense pas que ce cheval t'entende. Il n'écoute rien du tout. Mais comment faisait-il comment faisait père alors? Le cheval venait toujours quand il l'appelait. Et puis d'abord, mon père savait très bien appeler les chevaux. Et je vais marcher sur ses traces. Moi, Asta, au grand pouvoir, je t'appelle Skinfaxi, mon noble destrier. Je sais que tu es sourd, mais que ton âme m'entend! C'est le mien qui va venir, je crois. Ah, c'est le mien qui est venu, du coup. Censé faire. Doudou. Juste lui ramener, non. Moi, Asta, mon appel à Marté. Le cheval est un peu inquiet, mais il n'a rien. Moi, Asta au grand pouvoir, première du nom, je te remercie. Tâche d'avoir d'autres pouvoirs. C'est un petit peu identique. Non,
crois que t'es bugué. Oh, si père était encore en vie, il serait fier de moi. Pas vrai, Skinfali? Attends, comment je t'ai appelé tout à l'heure? Seul petit rat, reviens avec mon cheval. Ah. Non, arrête, arrête-toi. C'est un vol de cheval du coup. Faut participer à ça. Oups. 12 mètres au-dessus de moi. Ah. Oui. J'ai pas de flèche. Zut. Ça va, c'est encore une zone où j'ai pas trouvé de flèche, pareil. Je te cherchais justement. J'ai des contrats, si tu n'as pas peur de te salir les mains. Ok. Nous avons toujours besoin d'aide, alors reviens quand tu veux. Norwich, en piteux état, je vois. Ok. Non, toujours le... monde. Mao. Quel joli chat. Bonjour, ami de Freya. Qui est-il? Dali, reviens, fripouille. Ici, petit. Quelle surprise. Je peux pas tirer de flèche, j'en ai plus. Je te tiens, petit mangeur de souris. Non. Ah, disparu. Ah, réapparu. N'a laissé personne le toucher depuis la mort du vieux Cotter. Mais il a l'air de t'aimer. Nali veut-il se joindre à mon équipage? Je crois qu'il ferait un bon pillard. Tous les navires vikings ont besoin d'un chat porte-bonheur. Et pour s'occuper des rats. On dirait que j'ai recruté un autre pillard. L'ami de Frey. Ça déclenche la clé principale. Comme ça, la fille d'ailleurs précédent de vie. On est parti chercher la synchronisation au-dessus de l'église. Et ça avait déclenché la clé principale.
Ah. On peut trouver des flèches ici. Même pas. Bon, je dis qu'il y a un marchand, peut-être que j'achète des flèches aussi. C'est plus simple que de passer 3 heures à chercher. Vous, il est parti. Oh. Oh. Je l'entends, mais je le vois pas. Ok, on va essayer de leur faire un prix rapide, là. En moins un peu. Mais là, je leur pop. Ça va pas être très loin en fait. Ah, il part déjà en fait. J'ai dit combien de fois en fait? Article de langage. Allez, cours. Cours. C'est un peu mieux que tout à l'heure quand même. Ouf. Ah, en plus, je peux l'avoir en volant. Ok, un tatouage de plus. Schéma de Miga. Voilà. Tatouage sur le bras. Le marchand. Pour acheter des flèches. Que puis-je te proposer? Des flèches. C'est toujours utile. Ceci te sera très utile. Si tu le dis. Voilà une très belle fabrication. Rune de contournement d'inflammation. Ah! C'est des niveaux normaux. Mineur. Donc s'il n'y a pas écrit mineur, c'est que c'est... ni majeur ni mineur au milieu. 8 dégâts par l'arrière, 2,5 incendiaire, je m'en fous. Résistance aux dégâts, bon, ça ne sont pas au fond. Ceci pourrait très bien t'aller. Cela pourrait être très utile. Tu le dis. Un de ces jours. Un de ces jours. Je dois partir. À bientôt. Oui, là, juste devant moi. Il me laisse les piller tranquillement. Bon, je m'en tue quand même. Matériel en plus. Si j'avais pas acheté le club, j'aurais fait comment?
alors j'aurais été resté bloqué. Pour dépenser toute sa thune sur la lutte. Oui, c'est vrai que on est limité au nombre de sauvegardes. Pourquoi ils ont fait ça cette fois-ci? Eh bien, mais c'est Eivor du clan du Grand Corbeau. C'est moi-même. D'où me connais-tu? Aucune importance. Toutes les rumeurs racontent qu'Eivor le Danois a autant de courage qu'un vieux cabot. Tu sais peut-être manier la hache et l'épée, mais sais-tu aussi manier les mots? Tu risques d'être surpris. Ou pas. Affrontons-nous. Avant tout, je veux voir ta mise. Voilà l'argent. Maintenant, commence. Tous ceux à qui je parle disent qu'Eivor n'a pas de tête. Alors change d'amis. Car ceux-là sont bien bêtes. Eh bien, pas mal. Pense. On dit que tu es un lâche qui fuit la bataille. Mais ceux qui disent ça ont l'esprit qui défaille. Ce qu'on dit est vrai. Tu es pitoyable. Mauvaise. On chuchote ça et là que tu manques de cervelle. Personne ne dirait ça de crainte que je l'écarte. Vraiment pas sûr. Tu ferais bien de travailler un peu. Ouais. C'est encore pire que ce qu'on m'avait dit. J'ai cru que c'était des ragots, mais c'est vrai. Tout le pays sera au courant de ton échec cuisant. Je crois que tu ferais mieux de te taire. Je vais revenir. Oui, bah évidemment, je suis retenté. Hein. Allez, deuxième essai. Tu viens tenter de racheter ta renommée? Je vais te montrer mon vrai talent. On verra. Vas-y, mise. Vu que tu répètes à chaque fois les mêmes phrases, je finis par toutes les trouver voilà les bonnes réponses. Maintenant commence. Tous ceux à qui je parle disent qu'Eivor n'a pas de tête. Alors change d'amis, car ceux-là sont bien bêtes. Eh bien, pas mal. On dit que tu es un lâche qui fuit la bataille. Montre-moi ce on que j'aère ses entrailles. Intéressant. Intéressant. On chuchote ça et là que tu manques de cervelle. Des esprits en mêlée qu'il faut que je démêle. Tu as eu de la chance. Non. À vous. Eh bien. Prenez que chez cuisant. Eivor du clan du Grand Corbeau a du talent. Ça alors. Ne crois pas tout ce qu'on raconte, sauf s'il s'agit d'éloges à propos de mes talents oratoires. Prends l'argent, et sache que je ne tarirai pas de compliments à ton sujet. Sacré retournement de veste. Charisme accru. Terminé. Chadwick, colporteur de ragots. Ouais. Mais fiche qu'avait l'air.